Belgium is one of Western Europe's smaller countries, yet it produces over 1,500 beers, most of them the so-called special or craft beers. The art of brewing, in all its diversity and richness, is widely appreciated by people all over the country as part of their heritage and culture. This beer culture brings people together and contributes to their sense of identity. The great Belgian brewing diversity is the result of a long tradition and wide network of artisanal breweries. The ongoing fertile interaction between brewers and knowledgeable beer lovers, and the absence of restricting regulations in the use of ingredients, make sure this tradition of diversity is as thriving today as it has been before. Many brewers in Belgium try to use local products, and many breweries have an important impact on economic and social life, including festive events, in villages and towns all over the country. Belgian beers contain a wide variety of herbs and other ingredients that may be added during the brewing process. But just as crucial to the diversity of their beer culture is the use of four different fermentation types and the many different brewing processes. C'est le seul pays dans lequel on va retrouver les quatre types de fermentation qui existent. Il s'agit donc de la fermentation basse, on fait des lagers et des pils avec ce genre de technique de fermentation. Il y a la fermentation haute, où on va travailler avec des levures classiques de la plupart des bières spéciales. Et alors on a un type de fermentation tout à fait unique, qui est la fermentation spontanée. On a aussi un type de fermentation tout à fait particulier, tout à fait unique, qu'on appelle la fermentation mixte. Là, ça va donner des bières d'une très très grande complexité. Er is maar één land waar al die stijlen aanwezig zijn en ook de combinatie van die stijlen geleid heeft tot zo'n rijk palet aan speciale bieren. All that, and the fact that there are many small breweries with strong local roots or ties, results in an abundance of traditionally made and so-called special beers. Ik denk dat er overal wel artisanale bieren gebrouwen worden. Maar natuurlijk, in België zijn we eigenlijk al heel lang met dit soort dingen bezig. Al heel lang aan het proberen. Mensen die dat thuis brouwen, kleine brouwerijtjes die opgestart worden. Beer culture in Belgium is intense. It's a part of everyday life. No festive event is complete without it. No debate on its taste is ever fully settled. And any occasion is a good one to brew a special beer. Vele brouwers vinden het natuurlijk fijn om te experimenteren en nieuwjaarsbier maken of paasbier bijvoorbeeld, dat is dé uitgelezen moment om eens iets te proberen. Met een nieuwe hop, met een nieuwe gerstvariëteit, met een andere gist. En soms passen ze dan hun gewoon bier na de feestperiode een klein beetje aan om die nieuwe verworven technologie of die andere gist dan toe te passen in hun bestaand bier. People discuss beer and aspects of their beer culture during dinner parties, when meeting with friends, or on special occasions. Wij met de vriendengroep wij koken heel graag met bier, omdat er heel veel smaken. Het is een heel breed segment van smaken, van zuur, bitter, zoet, amberkleur, blond bier, bruin bier. Dus dat is een heel gevarieerd palet dat je mee kunt koken, waar je heel veel sausen mee kan doen smaken. More and more people get deeply interested in beer culture, start brewing at home, and even follow courses to become an acknowledged beer expert, a so-called zytologist. Het belangrijkste vind ik echt dat je de smaken gaat proeven. Een zytoloog is een bierkenner. Zytos is eigenlijk oud-Grieks voor bier of moutpapje, dat is er zo wat van afgeleid. Betekent eigenlijk ja, een biergeleerde, als je het zo kunt uitleggen. En ik vind het vooral een zo mooi product. In die zin, ik ken een bier, het straalt gezelligheid uit. Het is eigenlijk een zeer volkse drank. Het is ook wel een geraffineerde drank. Het is ook wel een ambacht. Er komt heel veel bij te kijken, zodat wij een mooi Belgisch bier kunnen creëren. Cooking with beer is another tradition that goes way back. For centuries, Belgian beer has elevated many dishes from ordinary to spectacular. This too is a tradition that keeps on evolving. Cuisiner à la bière, c'est une tradition depuis des siècles donc. La carbonate et le lapin étaient normalement marinés dans la bière. Un peu comme les Français, eux, ils marinaient dans le vin. Mais il n'y a pas que la carbonate. Je fais tout à la bière. Je peux commencer par le foie gras à la Rochefort, vinaigrette à l'Orval. Les anguilles, dernièrement, j'ai travaillé de la gueuse. Donc je crois que cuisiner à la bière, c'est quelque chose d'essentiel. Tradition
and that includes constant innovation, has an important impact on quality. It makes for a unique setting in which most Belgian beers are brewed. Brewers all over Belgium are the bearers of a huge living heritage. Their knowledge and skills are often passed on in and amongst breweries and in families. Het unieke is dat Belgische bieren heel divers zijn. En die bieren hebben allemaal een unieke geschiedenis. Want heel veel recepten hebben ook een hele geschiedenis natuurlijk. En dat maakt het eigenlijk heel uniek. En fait, on s'est basé pour créer les recettes de Valdieu sur une recette qu'on a retrouvée dans l'abbaye. Par contre, c'est clair que depuis des siècles, les méthodes de travail ont été bien améliorées. Et donc forcément, ça change sur le goût, mais pour un mieux. Quoi. Il faut s'adapter aussi au nouveau goût des consommateurs en fonction du temps qui passe. There are also formal education programs at different levels. Smaller breweries often come together to share knowledge and experience. Some of them also call upon testing breweries or specialized laboratories. Het is zo dat de brouwers allemaal een goede band hebben met elkaar. Dat zeg ik toch bijna allemaal. En wij proberen daar effectief wel een beetje een link te zijn. Het is zo dat ik met al die verschillende brouwingenieurs aan tafel zit. En er zijn ook regelmatig brouwers die meekomen brouwen met ons. En voornamelijk dan in de proefbrouwerij door nieuwe proefbrouwsels te gaan maken. Met nieuwe ideeën, met nieuwe grondstoffen. Om eigenlijk ja, nieuwe producten met een toegevoegde waarde te creëren. Many Belgian brewers are concerned with the environment and invest in sustainable ways to keep brewing their beer. Belgian beer brewing monks, known for their Trappists, are finding new ways to minimize their ecological footprint. Depuis les origines, Chimay fait attention à l'environnement et évidemment, l'ingrédient principal d'une bière est l'eau et donc tout est protégé autour de Chimay pour que l'eau soit la plus pure possible. Le plus simple des exemples, c'est que toute l'agriculture autour de l'abbaye est gérée de manière biologique. Donc aucun pesticide, aucun engrais chimique ne rentre dans le sol et donc dans la nappe phréatique. Au-delà de ça, par exemple, dans la salle de brassage, on récupère toute la chaleur de la cuve d'ébullition pour pouvoir chauffer l'abbaye dans sa totalité. En dehors de ça, il y a aussi des panneaux photovoltaïques, plusieurs centaines de mètres carrés. Donc tout ça va apporter une meilleure efficience énergétique et également une diminution de notre production de CO2. Sustainable brewing also means contributing to the viability of local communities, another important aspect of our beer culture. It also includes producing table beers that are low in alcohol and many types of beer without alcohol. Justement, l'identité locale est bien représentative au niveau de nos produits, puisqu'on va justement faire pour notre grand village de Hombourg, on parle quand même de 1200 habitants, donc quelque chose de très petit. On va faire deux bières qui vont expliquer un petit peu l'historique de notre village, qui est bien plus important, en tout cas plus important dans le temps que notre petite brasserie finalement. Pour nous, notre présence à Bruxelles est vraiment essentielle. Et ça a donné lieu à toute une série de noms de bières et toute une imagerie. Et on remarque que dans les cafés, il y a une relation assez personnelle qui s'est liée entre les Bruxellois et nos bières. Et ça nous fait vraiment très, très, très plaisir. In Belgium, the beer culture is about sharing experience, stories and knowledge, and solidarity. For many people, it's a way to identify themselves and gain a sense of belonging and well-being. La bière belge, pour moi, doit être classée parce que la Belgique est mondialement connue pour son savoir-faire dans le milieu brassicole. We hebben hier sinds vele honderden jaren een heel rijk palet aan bieren. Effectivement, la bière se retrouve dans les familles, elle se retrouve à table, elle se retrouve au café. Et dans notre pays, il y a une culture des cafés qui est vraiment essentielle. Et donc, cette importance sociale du café est primordiale. Et la boisson typique du café en Belgique, c'est la bière. Ça fait partie de ma vie, de ma jeunesse, de toute mon histoire. Et je pense de l'histoire de beaucoup de Belges. Donc, hein. Ça fait partie de notre patrimoine. Belgian beer culture may very well be best known for its special beers and craft beers, but it's really the skills, knowledge, and relentless creativity of its brewers, together with the appreciation of beer-loving individuals and communities, that guarantee the vibrant vitality of the diverse art of brewing in Belgium.